Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui, parce que pour ceux qui ne l'ont pas su les gars, j'étais au ski pendant une semaine. Donc j'avais prévu des vidéos à l'avance et ça c'est cool. J'espère que vous avez kiffé quand même les vidéos qui étaient prévues à l'avance. Mais aujourd'hui c'est reparti, on recommence les vidéos à fond et je suis super content. Est-ce que vous trouvez que j'ai bronzé? Est-ce que vous trouvez que mon visage est devenu plus marron qu'avant? Ça se voit. Arrêtez. Sinon mes vacances au ski étaient vraiment super bien. Je me suis juste cassé le cul, je me suis pas cassé une clavicule comme l'année dernière. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram et Twitter, vous avez vu la petite vidéo que j'ai mis sur les réseaux. Et pour ceux qui me suivent pas, là voilà. Très courte vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous aimez beaucoup et que ça fait longtemps, mais vraiment très très longtemps que j'en ai pas fait. C'est brûler des objets avec le chalumeau à 600 degrés. Alors ça, je sais que c'est un concept que vous kiffez, parce qu'il y a beaucoup de gens et d'amis à moi qui m'ont dit ouais, refais ce concept, il est vraiment super cool. Et du coup c'est parti, on va le refaire dans cette vidéo. Pour tous ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui voient pas de quoi je parle, en fait je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais prendre un décapeur thermique qui est en fait un gros chalumeau qui chauffe à plus de 600 degrés. Donc je peux te dire que ça chauffe beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des objets devant et on va essayer de les faire fondre, voir la réaction que ça va faire. Je sais, c'est complètement what the fuck et c'est ça qu'on kiffe. Du coup les amis, si jamais vous êtes chaud, je compte sur vous pour mettre un gros like. Prenez le like comme ça, vous tabassez. Et je compte aussi sur vous, si jamais vous voulez un deuxième épisode, dites-moi en commentaire quel objet on pourrait faire fondre. Je compte sur toi. En tout cas, c'est parti les amis, on est parti. Let's go baby. Bon là faut que je retrouve juste le décapeur thermique, parce que regardez, là j'ai tous les trucs de mon futur PC et du coup c'est vraiment le bordel. J'ai plein de trucs qui sont arrivés les amis, mais je vous ferai une vidéo prochainement. J'ai vu que vous avez kiffé la vidéo où c'est que je déballe mes premiers composants pour mon PC et ça fait super plaisir, merci beaucoup. Mais là faudrait qu'on arrive à trouver le décapeur thermique qui doit être normalement derrière ces cartons. C'est le bordel comme d'habitude. Putain, je m'ennuie de refaire mon bureau. Hop là, le voilà. Maintenant il va nous falloir aussi la table magique. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti cette table magique les gars, vous pouvez pas savoir. Hop là, on sort le trépied, parfait. Et là on a nos planches. Nickel pour plus de sécurité. Je vais aussi vous montrer les amis tous les objets qu'on va cramer aujourd'hui. Vous allez voir, il y a vraiment des choses cool. Les amis, nous avons en premier, attention, un magnifique petit ballon. Voilà, nous allons gonfler comme ceci. Nous allons le faire fondre avec le décapeur thermique et voir la tête qu'il va avoir à la fin qui sera cramée. Voilà. Deuxième objet, nous avons les gars un bracelet néon. Est-ce que vous connaissez ce genre de truc que quand on les casse, ben en fait ça s'allume dans le noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser un côté et un côté qui sera pas cassé. On va essayer de le faire fondre et voir ce que ça va faire. Est-ce que ça prend feu? Est-ce que ça va encore plus s'allumer? J'ai vraiment hâte de brûler ceci pour voir la réaction que ça va donner. Ça va être vraiment cool. Troisième objet, les amis, nous allons essayer de faire fondre un scotch qui est muni de son socle pour découper le scotch en fait. Nous allons le brûler, le faire fondre et voir ce qui va en rester à la fin. Et ensuite les amis, dernier objet qui est, attention, alors attention les amis, là je veux un maximum de pouce bleu. Les amis, nous allons faire fondre aujourd'hui un magnifique petit iPhone. Oh my god. Nous allons essayer de faire fondre les amis un magnifique iPhone 5 S. Non, je sais pas en fait, je sais plus. Rappelez-vous, c'est l'iPhone que j'avais trouvé lors de la pêche à l'aimant dans les rochers, qui est mort, qui s'allume plus, qui marche plus du tout quoi. Donc nous allons essayer de le faire cramer, pas complètement, parce qu'à l'intérieur il y a encore la batterie. Et si jamais je mets le feu à la batterie, ça risque de mettre le feu à ma maison, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire cuire un angle, de faire cuire un peu par là, par ici, par là, mais sans trop le brûler pour pas que la batterie explose. J'espère que vous êtes chaud, parce que moi oui. On va sortir la bête, le petit décapeur thermique. Voilà à quoi ressemble le décapeur thermique. Ça chauffe. Et maintenant on va installer la petite table qui va nous permettre de faire chauffer les trucs. Et voilà. Ok, là on est bon les gars. Là on a notre petite table où c'est qu'on va poser nos objets pour pouvoir les faire cramer. On peut voir qu'elle est assez dégueulasse et qu'il reste des morceaux des trucs de la dernière fois qui datent de très très longtemps. Du coup c'est parti pour le premier objet. Premier objet les amis, le ballon. Nous allons le gonfler.
On va faire le petit nœud, hop là. Je me demande vraiment si en le chauffant il va se déformer ou s'il va exploser. Ou je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je pense qu'en premier il va se déformer et ensuite il va exploser. On va allumer le décapeur et on va voir ce que ça va faire. Let's go, c'est parti. Oh, what? Oh, oh les gars. Oh, ça y a fait pousser. What the fuck, mon gars? Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Le ballon, il a une couille qui lui a poussé sur le côté, quoi. Regardez. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'il allait se déformer, mais pas autant. Regardez ça. Oh là là là. Je vais essayer de le faire, mais de l'autre côté. Oh! Oh, 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 il a des petits trous. Le ballon a décédé, les amis. Ça a fait des micro-trous à l'intérieur. Et du coup, ben, il s'est dégonflé. Mais waouh. Bon, ben voilà, le ballon s'est juste déformé avant d'avoir un trou. Fini. Deuxième objet, les amis, c'est bien sûr le néon. Alors là, vous allez voir, ça va être très intéressant. Je me demande vraiment comment ça va se passer. Est-ce que vous connaissez ce genre de néon, les amis? Dites-moi oui ou non en commentaire. Là, c'est un néon jaune. Enfin, je crois. Attendez, on va voir. Ah, voilà, regardez, là on va casser que ce côté-là. Oh, que c'est beau. Regardez comme ça s'allume, c'est vraiment magnifique. Du coup, je sais pas si je fais cette vidéo ou si que j'allume la lumière ou pas pour voir comment ça va se passer. Je pense que je vais éteindre la lumière de l'avant pour voir bien ce qui va se passer à l'intérieur. Mais moi, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que le plastique va fondre et ensuite le liquide va couler. Est-ce que le liquide prend feu ou pas? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ma maison va cramer ou pas? Je ne sais pas du tout. Donc bon, c'est le moment de le découvrir. C'est parti, on éteint la lumière. Attention les amis, est-ce que vous êtes prêts pour voir ce qui va se passer au petit néon? Je rappelle qu'il y a un côté que j'ai cassé et un côté que je n'ai pas cassé. On va brûler en premier le côté que j'ai cassé, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, let's go. Oh, oh putain, il s'est percé. Il s'est percé, les amis. Oh, ça s'allume encore plus que d'habitude. Là, c'est phosphorescent. Oh là là, regardez les amis, ça a coulé sur la table. Et du coup, la table, elle s'allume. Waouh, magnifique. Vraiment magnifique. Je tiens à préciser, les amis, faites attention avec ça parce que c'est vraiment super toxique. Ça, c'est que chimique. Hein. Là, c'est du poison, là. Mais bon, on va continuer. Let's go. Comme ça s'allume encore plus que d'habitude. Oh, comme c'est beau. Trop bizarre par contre là les gars. Je vous jure. Là les gars, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais c'est vraiment super bizarre. Là, ça commence à devenir un petit peu transparent ici là. Et genre ça s'éclaire, mais vraiment, c'est vraiment beau. Voilà ce qui s'est passé à notre néon phosphorescent. Là, ça m'a vraiment impressionné. En le chauffant, il s'est allumé 10 fois plus fort et je ne savais pas que ça faisait ça. Mais là maintenant, j'en ai deux partout sur ma table. C'est génial. C'est parti les amis, troisième objet maintenant, nous allons passer au scotch. Nous allons essayer de faire fondre ce scotch avec carrément sa monture pour pouvoir découper le morceau de scotch. Je pense que comme c'est du plastique, ça va fondre, ça c'est sûr. Nous allons savoir dès à présent les amis grâce au décapeur thermique. J'espère que vous êtes prêts parce que moi oui, attention, 3, 2, 1, let's go. Oh, oh, oh putain, il devient tout rikiki. Les amis, c'est même pas accéléré. La vidéo n'est même pas accélérée. Oh, oh putain. Oh là là. Oh, ça pue. Ok, ok, les amis, est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est incroyable, ça, c'est beau. Ça, c'est extraordinaire. Oh là 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 là, regardez les gars. Là, il a complètement fondu. Il a complètement changé de forme. Il est complètement dégueulasse. Bon, ben voilà la gueule qu'il a, les gars. Il est complètement mort. Il a complètement changé de forme, le scotch. Pour cet objet, c'est fini pour lui. Les amis, là, pour le prochain objet, c'est vraiment l'objet ultime. L'objet de la fin, c'est, attention, l'heure de l'iPhone. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de cramer le côté de l'écran, les boutons sur les côtés, mais pas le côté où c'est qu'il y a la batterie à l'intérieur. Sinon, ça risque de prendre feu chez moi. Et là, ça ne sera plus drôle. Là, franchement, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Donc bon, j'espère que vous êtes prêts.
parce que là, il va brûler. Bon, c'est parti, on va voir ce que ça va donner. On espère qu'il y a quand même du résultat, mais bon, on croise les doigts, les amis. On va le faire de ce côté-là, le côté où il y a l'appareil photo, parce que c'est ici qu'il n'y a pas la batterie. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? N'oubliez pas le petit like, les amis, qui fait plaisir. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, bon, ça ne fait pour l'instant rien du tout. On va peut-être changer le côté et le faire de ce côté-ci, côté frontal. Je vous le dis, je le brûle pas en entier parce que j'ai trop peur que la batterie explose dans la maison. Donc pour l'instant, je fais des petits trucs, voilà, je fais des petits trucs sur les côtés. Mais si jamais ça vous intéresse qu'on le brûle en entier, je le ferai dehors. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, les gars. Attention, on va le faire du côté avant. 3, 2, 1... Ça fume. Oh, il fume un petit peu. Les amis, est-ce que vous voyez? Regardez l'écran. Est-ce que vous voyez? Merde. Là. Regardez. Là, ça fait des bulles. Genre, c'est en train complètement, genre, de cuire à l'intérieur. C'est ce qui fumait tout à l'heure. Mais regardez. Là, ici, il y a des bulles. Juste là. Et là, ici, je sais pas si vous voyez le petit trait blanc. Et bien, ça, genre, ça a gonflé et ça a carrément fondu. L'iPhone, il a fondu sur le côté. Là, je peux vous dire qu'il est brûlant. Là, il est complètement brûlant, les potes. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour l'iPhone parce que là, il fait vraiment des trucs bizarres. Et comme je vous le dis, j'ai vraiment peur qu'il brûle dans ma maison. C'est super dangereux. Mais si jamais vous voulez que je fasse un autre épisode où là, vraiment, on le crame vraiment en entier, qui fond de partout, je compte sur vous pour mettre un gros like pour faire le deuxième épisode. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, les gars, abonnez-vous parce que si jamais vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas voir le deuxième épisode. Et ça, c'est très très bête. Voilà. Donc, je compte sur vous, les gars, pour vous abonner, voilà, à me mettre un like si jamais vous voulez voir le prochain épisode et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, là, à vous abonner juste en haut, je compte sur vous. Oh, what? Quand je fais ça avec l'iPhone, ça fait un truc trop bizarre. Bref, on le brûlera dans un prochain épisode, je compte sur vous, je vous dis à la prochaine, c'était Pika, peace.